Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire, toi qui es au-dessus de tout nom. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour la grâce qui coule de tes lèvres ce matin. La parole de bénédiction, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de consolation. Merci pour ce baume qui coule ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons te célébrer, toi la parole, tu es la parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin, toi la parole qui nous a été donnée. Alléluia. Oui, nous acclamons Jésus, la parole. Alléluia. 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 Vous pouvez vous rasseoir. Notre Dieu est digne d'adoration. Alléluia. Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. Et le culte, ce que nous appelons culte dans la parole de Dieu, c'est le fait d'adorer le Seigneur, de lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes amoureux de lui, combien il est bon, combien il est merveilleux. Et le Seigneur nous l'a montré la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'il nous avait sauvés? Pourquoi est-ce qu'il nous a pardonnés? C'est pour que nous puissions l'adorer. La Bible nous enseigne qu'il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce matin, j'aimerais abonder dans le même sens que le pasteur Guillermo dimanche dernier. Et j'aimerais vous parler de 4 signes pour reconnaître un véritable adorateur. Il y a plusieurs signes pour reconnaître un véritable adorateur. Ce matin, j'aimerais vous parler de 4. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, le Seigneur nous montre ce qu'il entend par être un adorateur. Et lorsqu'on étudie la parole, on découvre davantage pourquoi est-ce que la Bible dit que le Seigneur recherche les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. On se rend compte que Jésus déclare cette parole alors que plusieurs prophètes sont passés bien avant lui. Et durant ces générations de prophètes, durant ces générations d'enfants d'Israël, on a rendu des sacrifices, on a donné des sacrifices à Dieu. C'était quelque chose qui était perpétuel, c'était permanent au milieu du peuple d'Israël. C'était permanent au milieu du peuple d'Israël. On venait et on offrait des sacrifices au Seigneur. Seulement des siècles bien plus tard, le Seigneur Jésus vient encore et il dit que Dieu recherche des adorateurs. Il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En d'autres termes, le Seigneur n'était pas satisfait de ce qui se passait sur la terre. Lorsque le Seigneur sort le peuple d'Israël, il dit à Moïse que j'aimerais que ce peuple aille dans un lieu que je vais lui montrer pour pouvoir m'adorer, pour pouvoir m'offrir un culte. Voilà pourquoi le Seigneur a sorti le peuple d'Israël. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il m'offre un culte. Parce que le Seigneur n'était pas satisfait. Et bien des siècles, des années, des siècles plus tard, le Seigneur Jésus ramène encore la question de l'adoration, la question du culte. Et lorsque la semaine dernière, le Seigneur nous parlait, il nous parlait de l'importance de témoigner, de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. La Bible déclare dans l'Apocalypse que nous l'avons vaincu à cause de la parole de nos témoignages. Nous avons vaincu le diable, nos ennemis, les esprits qui dominent parfois sur nos vies à cause de la parole de notre témoignage. Comment est-ce qu'on arrive à vaincre à cause de la parole de notre témoignage? Parce qu'on déclare à tous ceux qui nous entourent ce que Dieu a fait dans nos vies, dans nos familles. D'où l'importance de rendre témoignage, parce qu'à travers la parole que nous déclarons, le Seigneur a fermé notre foi. Il a fermé notre identité en Christ. Parce que plus nous rendons témoignage, plus nous sommes conscients de la personne qui vit en nous, la personne de Jésus. On ne peut pas rendre témoignage de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible.
J'aimerais savoir s'il y a des gens qui n'ont pas de Bible ce matin. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible? Vous avez besoin d'une Bible? Non? C'est bon, tout le monde a une Bible. Vous n'avez pas de Bible? Sefiana est où? Il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible par là. Juste derrière toi en plus. Lorsqu'on étudie donc la parole de Dieu, on se rend compte que lorsqu'on rend témoignage, on rend témoignage de ce qu'on a vu. On ne peut pas rendre témoignage de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un que vous n'avez pas forcément côtoyé. Lorsqu'on parle de rendre témoignage, c'est que vous avez assisté à une scène, vous avez vécu une scène. Alors vous venez et vous dites, oui, voilà ce qui s'est passé. C'est ça le témoin. Et la Bible nous a montré encore dimanche dernier combien nous étions des témoins pour le Seigneur Jésus. Témoignage, rendre témoignage de ce qu'il fait pour nous, c'est être le témoin de Christ. Et aujourd'hui, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu deviens un témoin du Seigneur Jésus. Et le premier témoignage que tu rends, c'est qu'il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Et lorsque nous recevons le Seigneur, il nous donne son Saint-Esprit. Lorsque nous disons « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur », c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur. Et la Bible déclare dans Actes 4, au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le premier signe pour reconnaître un véritable adorateur, c'est qu'il doit être né de nouveau. On ne peut pas être un adorateur si on n'est pas né de nouveau, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous adorons Dieu. Lorsque Jésus dit que le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ce sont des hommes et des femmes qu'il adore par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus dans leur cœur. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. On ne peut être sauvé que par le nom de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs vont dans des églises, ils font des rituels, et même pas seulement des églises, ils vont dans des rassemblements, ils font des rituels pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu. Mais la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom de Jésus. On ne peut être sauvé que par le nom de Jésus. Et Jésus l'a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Alors peut-être que depuis tout petit, tu fais des prières pour pouvoir rencontrer Dieu. Tu fais des prières parce que tes parents te l'ont enseigné. Ou alors tu as vécu peut-être avec ta mamie qui aimait bien aller à l'église. Et elle t'a enseigné comment prier. Tu peux multiplier les prières. Si Jésus n'est pas dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on est de nouveau. C'est comme un enfant qui sort des entrailles de sa mère. C'est un fait. Il est né, il est né. Il n'est pas en train de naître. Il est né. C'est un fait. C'est pareil. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on est de nouveau. On devient un enfant de Dieu. La Bible nous appelle enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, la capacité d'être un enfant de Dieu. Et être un adorateur, c'est celui-là qui est né de nouveau donc et qui reconnaît que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est venu mourir à la croix pour lui et aujourd'hui ne peut plus vivre sans lui. Alors Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tu viennes désormais dans ma vie, je veux que tu agisses comme le Seigneur, le Maître, le Souverain, que tu guides désormais mes pas. Et si tu as fait cette prière un jour dans ton cœur ou en le confessant avec plusieurs personnes, tu es désormais un enfant de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu viens dans la famille de Dieu, il y a une fête dans le ciel. Le ciel tout entier organise toute une boum ecclésiastique rien que pour toi. Tu deviens célèbre dans le ciel. Imaginez ce que la Bible appelle les myriades d'anges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter. Des gens que tu ne connais pas, en plus des esprits, hein, tu ne connais pas, ils organisent toute une fête en ton honneur. Ça va au-delà de 6 événements. Hein. Le ciel offre un gala pour toi. Alléluia. Le Seigneur déploie ses anges. Il dit, venez voir. Celui-là est devenu désormais mon enfant. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise Hébreux 9. Hébreux au chapitre 9. On va lire quelques versets dans ce texte qui vont nous aider à encore comprendre le processus de la croix. Ce que le Seigneur est venu faire. On va lire à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints.
renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré dans une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître de maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Alléluia. Voici toute l'œuvre de la croix. La Bible nous parle dans ce texte de ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs se tenaient devant le Seigneur en faveur du peuple. Lorsqu'on parle du tabernacle dans la parole de Dieu, le chapitre, plusieurs chapitres du livre d'Exode, à partir de Exode 25, vous rencontrez plusieurs textes qui parlent du sanctuaire. Le Seigneur parle à Moïse et il lui demande de lui construire un sanctuaire. C'était l'objectif lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'était pour que son peuple aille lui offrir des sacrifices. Et là, le Seigneur dit à Moïse de construire une église mobile qu'on a appelée tabernacle. La Bible l'appelle tabernacle. Ce tabernacle était composé de deux parties principales, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait une cour, une grande cour qu'on appelait le parvis. Dans le parvis, plusieurs, tout le peuple venait.
se présentaient avec son sacrifice. Chacun selon ses moyens. Il y en avait qui venaient avec un pigeon, d'autres avec un taureau, etc. Chacun selon, on va dire, la bénédiction de l'Éternel, selon que le Seigneur l'avait béni. Et lorsque les familles se présentaient, elles n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Elles restaient là, dans cette cour qu'on appelait le parvis, et les sacrificateurs faisaient leur service avec les lévites. Dans le lieu saint, ils récupéraient les animaux, ils faisaient couler le sang. Il y avait tout un cérémonial. Et lorsque vous allez en Israël, vous le comprenez mieux parce que vous voyez toutes ces pièces qui étaient là en train de servir d'ablution. Les gens venaient, ils se nettoyaient parce qu'il ne fallait pas se présenter dans le sanctuaire délabré ou encore sans tenir compte de la présence du Seigneur. Ils avaient conscience de la présence du Seigneur. Et lorsque les sacrificateurs se tenaient dans le sanctuaire, ils étaient dans le lieu saint avec les lévites et ils faisaient leur service. Et ils préparaient le service du souverain sacrificateur. Et dans ce texte de Hébreux 9, la Bible dit que le souverain sacrificateur, celui qui était le chef de tous les sacrificateurs, il se présentait une seule fois par an. Dans cette dernière partie du tabernacle qui s'appelait le Saint des Saints. Il se présentait tout seul dans cette partie et il venait devant le Seigneur au nom de tout le peuple. Se présenter comme un seul homme, il représentait tout ce peuple en lui-même et il venait demander le pardon des péchés. Et la Bible nous enseigne dans ce passage d'Exode que si le sang de ces animaux était capable d'accorder aux hommes le pardon des péchés, à combien plus forte raison le sang de Jésus, celui qui s'est offert en sacrifice pour nous, pour que nous soyons sauvés, ne nous accordera-t-il pas le pardon de nos péchés? Et dans ce texte, on réalise vraiment le privilège que le Seigneur a fait en nous donnant la vie, en nous donnant son esprit. La Bible dit qu'il est rentré une bonne fois pour toutes. Le souverain sacrificateur venait chaque année, il venait une fois par an et il revenait à chaque fois pour le pardon des péchés. La Bible déclare que Jésus est rentré dans le Saint des Saints une bonne fois, une seule fois et c'était la bonne. Alléluia, parce que c'était le sang qui nous accorde, qui devait nous accorder une bonne fois pour tout le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, le monde a reçu le pardon des péchés. Il faudrait qu'il rentre maintenant dans cette grâce que le Seigneur a rendue disponible à travers le sacrifice de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, c'est important que vous réalisez que lorsque vous priez pour vos familles, que vous vous présentez devant le Seigneur en disant « Merci Seigneur pour le pardon du péché » parce que le monde, le Seigneur à travers le sang de Jésus, a rendu disponible le pardon des péchés. À travers le sacrifice de la croix, vos familles ont reçu le pardon de leurs péchés. Maintenant, il faut qu'elle rentre dans cette alliance. La Bible parle d'alliance, c'est une alliance dans laquelle on rentre. C'est comme lorsqu'on demande en mariage une fille, c'est à elle de dire oui ou non. C'est à elle d'accepter cette alliance que vous lui proposez. Et c'est pareil avec le Seigneur. Lorsqu'il nous tend la main, lorsqu'il nous donne par la croix le pardon de nos péchés, c'est à nous d'accepter ou non. Et lorsque on se rend compte, quand on prêche l'évangile, on le vit bien. Lorsqu'on présente le Seigneur Jésus à plusieurs, il y en a qui vous sortent parfois des raisonnements. Il y en a qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fonctionné avec lui, donc ils ne trouvent pas le besoin de devenir chrétien. Il y en a qui se disent qu'ils ont tout, donc ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. D'autres encore, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tellement de guerres sur la terre, si Dieu existait vraiment, si vraiment Jésus était amour, pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres? Tout un tas de raisonnements, de philosophies sur la terre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Le monde n'a pas compris l'objectif du sacrifice, de la venue de Jésus. Et lorsque Hébreux parle, dans ce texte, au verset 7, la Bible dit, et dans la seconde, donc la seconde partie du tabernacle, dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Et la Bible déclare plus tard que Jésus a traversé ce tabernacle. Il a traversé un tabernacle spirituel pour nous. Il a fait ce parcours alors que les hommes, les familles entières restaient là au parvis et ne pouvaient pas aller à la rencontre de Dieu directement dans le Saint des Saints. La Bible déclare que Jésus a traversé
un tabernacle spirituel. Il est passé par le parvis qui est le symbole de tout le peuple, du péché, des disputes, des divisions, le parvis qui est le symbole de différentes familles, de différentes façons de fonctionner, différentes coutumes, traditions, le parvis qui est aussi le symbole des a priori, des préjugés. La Bible déclare que Jésus a traversé le tabernacle. Il est passé par ce parvis pour pouvoir rassembler des peuples, des nations, réconcilier le monde avec Dieu. Il est passé par ce parvis pour déclarer au peuple qui était là en train d'attendre que désormais vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin à la rencontre du Seigneur. Vous avez la possibilité aujourd'hui de rencontrer le Seigneur face à face. Et lorsqu'il traverse ce tabernacle, il porte le péché de ce peuple qui était là. Il y en avait qui venaient pour demander pardon au Seigneur pour l'égoïsme, pour le mensonge, quel que soit le péché. Jésus a porté ce péché-là au parvis et il est passé au lieu saint où les sacrificateurs faisaient leur service, où les sacrificateurs avec les lévites qui étaient comme une caste un peu plus privilégiée que le peuple se présentaient là pour faire le service. C'était un privilège d'être au lieu saint, au moins le lieu saint, parce qu'on pouvait faire le service au nom du peuple pour le Seigneur, on pouvait rendre un culte à Dieu. Et il y avait cette table qui était là qui leur permettait de communier avec le Seigneur. Et lorsqu'il rendait ce service, Jésus, lorsqu'il passe par le lieu saint, il rappelle aux hommes qu'aujourd'hui, c'est possible de rencontrer le Seigneur, d'aller un peu plus loin, de venir, oui, certes, rendre des sacrifices, venir apporter vos offrandes, apporter vos familles, apporter vos enfants, apporter de votre temps. C'est ça le lieu saint. Mais encore plus, lorsqu'il va au lieu très saint, il rappelle au monde tout entier que s'il est venu, c'est pour que chacun pour sa part se tienne désormais devant le Seigneur comme un adorateur. Celui-là qui a le droit d'être dans la présence du Seigneur, se présenter et au travers du sacrifice de la croix, il nous accorde le Saint-Esprit et il nous donne la vie, il nous réconcilie avec Dieu. Et désormais nous pouvons nous tenir devant la face du Seigneur et dire « Seigneur, je suis ton enfant ». Et un enfant n'a pas besoin d'autorisation pour rencontrer son père. Un enfant n'a pas besoin d'écrire un courrier pour rencontrer son père. Ce n'est pas une relation de chef, il est notre Père. La Bible l'appelle le Père céleste. Et nous pouvons le rencontrer face à face et lui témoigner notre amour et dire, Seigneur, oui, maintenant que je suis né de nouveau, je suis, Seigneur, à toi. Je t'appartiens, je suis ton enfant. Désormais, je veux marcher. Je veux marcher dans tes voies. Et je veux me tenir devant toi et vivre pleinement ce sacrifice de la croix. La Bible déclare dans le psaume 27, « Heureux celui que tu admets en ta présence. » Nous sommes heureux, nous, que le Seigneur admet en sa présence. Nous sommes heureux parce que nous pouvons parler à Dieu et entendre la voix de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous avons la capacité aujourd'hui, pas de faire des sacrifices et dire qu'à travers ce sacrifice, le Seigneur va me répondre. Je vais couper un agneau, je vais découper une gazelle, venir devant le Seigneur avec un pigeon et dire, « Seigneur, oui, il faut que tu m'écoutes en dépeçant des animaux. » Non, je me tiens comme ce sacrifice devant le Seigneur. C'est moi qui m'offre en sacrifice devant le Seigneur. Et lorsque Jésus vient et à la croix, il le déclare, tout est accompli. Tout est accompli. Et lorsqu'il parle à la femme samaritaine, bien avant ça, dans Jean au chapitre 4, au verset 23, il dit, mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'esprit, avec l'aide de l'Esprit et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. C'est le moment. Le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son Esprit. Où Dieu donne son Esprit. C'est maintenant. Jésus dit, on n'a plus besoin du sang des boucs, on n'a plus besoin des taureaux, c'est le moment, c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Et il dit, alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Lorsque nous venons au Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être un enfant de Dieu. Et nous pouvons désormais adorer le Seigneur. Et Jésus le dit, alors ceux qui vont l'adorer, ils vont l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être un adorateur. Tu peux chanter des cantiques, tu peux chanter des louanges sans être un adorateur.
Aujourd'hui, vous voyez à la télévision, il y a des gens qui, dans des pubs, qui utilisent même des chants chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Ils sont en train de jouer des chants chrétiens. Il y en a qui sont dans des églises aussi, qui chantent, qui lèvent parfois les mains. Ça ne veut pas dire que tu es un adorateur. C'est par le Saint-Esprit que nous adorons Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être appelé un adorateur. Et ça m'amène directement sur mon deuxième point. Il adore Dieu en esprit et par l'esprit. L'une des caractéristiques d'un adorateur authentique, un vrai adorateur, c'est qu'il adore Dieu en esprit et par l'esprit. La Bible déclare dans Éphésiens 6, au verset 18, « Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. » Priez sans cesse, faites toutes vos demandes, faites toutes vos prières par l'Esprit Saint. L'adoration fait partie des prières que nous adressons au Seigneur. Notre adoration prend la forme de prière. Et la Bible dit, c'est par l'Esprit que nous devons faire monter ces prières au Seigneur. Un adorateur authentique, c'est quelqu'un qui adore le Seigneur par l'Esprit, par son Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous recevons le Seigneur, un peu plus loin dans notre relation avec lui, il nous baptise du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est un don. Le don du baptême du Saint-Esprit. Et lorsque les apôtres se mettent à prêcher l'évangile, lorsqu'ils deviennent des témoins du Seigneur, ils parlent du don du baptême du Saint-Esprit. Ils posent même des questions à certaines personnes. Est-ce que vous avez reçu le don du Saint-Esprit? C'est bien, vous êtes chrétien aujourd'hui, mais est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Parce que nous adorons par l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Dans ce texte, nous voyons que nous avons cette capacité, par le don du Saint-Esprit, d'adorer le Seigneur en esprit, par notre esprit. C'est-à-dire que nous chantons en langue. Quand l'apôtre Paul parle de chanter par l'esprit, nous chantons en langue. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, des langues, le Seigneur répond des langues. Nous pouvons chanter en langue aussi, en dehors de la prière. Nous pouvons chanter en langue. Nous chantons en langue pour adorer le Seigneur et déclarer des mystères à Dieu. La Bible déclare que lorsque nous parlons en langue, dans d'autres langues, lorsque nous prions dans d'autres langues, nous disons des mystères à Dieu. Et là, l'apôtre Paul dit que nous devons chanter par l'Esprit. Nous devons aussi chanter par l'Esprit. Un adorateur chante par l'Esprit. Il adore Dieu par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'au dernier, à la fin de ce verset, il dit « Tu rends d'excellentes actions de grâce. » Quand bien même l'autre n'est pas édifié, la Bible nous enseigne que lorsque nous adorons le Seigneur en esprit, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Et lorsque nous rendons d'excellentes actions de grâce, eh bien nous recevons nous aussi des grâces excellentes. La Bible déclare que toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Donc ce texte de 1 Corinthiens nous apprend que lorsque nous adorons le Seigneur en esprit, nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu. Nos actions de grâce sont excellentes. Tu veux adorer Dieu de façon excellente, adore en esprit. Et à un moment donné, lorsque nous adorons par l'Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il prend le contrôle, il nous pousse un peu plus loin. La Bible nous enseigne qu'il s'exprime même devant Dieu pour nous. Il intercède au-dedans de nous. Il se présente devant le Seigneur et il intercède. Il fait partie de nos intercesseurs. Il intercède au-dedans de nous. Lorsque nous adorons le Seigneur, le Saint-Esprit prend le relais. Et nous adorons par le Saint-Esprit parce que c'est désormais lui qui nous conduit dans notre adoration. Nous ne venons plus devant le Père pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin du travail, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin du mariage. » Mais nous adorons le Seigneur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous dit ce qui est important pour Dieu. Nous adorons par le Saint-Esprit. Et lorsque nous adorons par le Saint-Esprit ou poussés par le Saint-Esprit, il nous communique ce qui est dans le Père. Il nous communique la nature de Dieu. Il nous transforme de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Il nous transforme. Et si vous étiez quelqu'un qui disait des mensonges en permanence, on vous appelait menteur, vous vous rendez compte que de plus en plus vous aimez la vérité. Si vous étiez quelqu'un de colérique, vous vous rendez compte que de plus en plus vous êtes en train de changer. Lorsqu'on vous dit une parole qui peut-être à l'époque vous froissait et vous amenait à réagir un peu trop vite, vous commencez à devenir patient.
Vous commencez à analyser ce qu'on vous dit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on devient un adorateur authentique, le Saint-Esprit prend ce qu'il y a dans le Père et il nous le transmet. La semaine prochaine, au milieu des femmes, on parlera de la soumission. La soumission, c'est pas un rapport de force entre l'homme et la femme, non. C'est le fait de reconnaître notre place et de se tenir simplement dans le foyer à notre place. C'est ça la soumission. C'est remplir notre mandat dans la joie, dans la paix. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es une femme insoumise. Pour toi, lorsque ton mari parle, tu te dis que c'est pas à lui avoir le dernier mot. Et lorsque tu adores le Seigneur en esprit, le Saint-Esprit communique la soumission dans ton cœur. Il te permet d'aller un peu plus loin, d'avoir le regard du Seigneur sur ton mari, de regarder ton mari comme Dieu le voit. Et tu n'as plus l'impression d'avoir un chef, quelqu'un qui veut te dominer, mais tu vois quelqu'un qui veut amener sa famille dans la destinée que le Seigneur a pour elle. Et c'est là que tu prends la main de ton conjoint comme deux associés, hein, et on marche main dans la main pour rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Alléluia! Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lorsque nous adorons le Seigneur par le Saint-Esprit, lorsque nous adorons le Seigneur en fonction de ses besoins à lui. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? C'est ça l'adoration. Le Seigneur va peut-être te demander de passer du temps pour quelqu'un dans la prière. Le fait de remplir ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ça l'adoration. Se mettre à la disposition du Seigneur. Dire au Seigneur, je suis désormais un instrument entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça l'adoration. Se tenir devant la face du Seigneur et dire à Dieu, oui Seigneur, désormais je m'offre entièrement. Je viens à toi et je m'offre entièrement. Et c'est ça mon troisième point. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est une offrande, lui-même est une offrande au Seigneur. Seigneur, je me donne tout entier à toi. Et la Bible déclare dans Romains au chapitre 12, au verset 1, frères et sœurs chrétiens, j'aime bien cette version de parole de vie, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. C'est seulement en vous offrant au Seigneur que vous saurez ce qu'il veut. C'est seulement en vous offrant au Seigneur que vous saurez, la Bible dit, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ton travail, pour ta famille, offre-toi à Dieu. La Bible dit, c'est seulement après cela, quand tu t'offres au Seigneur, c'est seulement après cela que tu sauras quelle est la volonté de Dieu. Tu te mets à la disposition du Seigneur, c'est après cela que tu comprendras quelle est la volonté de Dieu. La Bible déclare, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu si on ne s'offre pas. Parce que lorsqu'on s'offre, on s'abandonne entièrement. Quand on s'abandonne à quelqu'un, on lui donne le droit de disposer de nous. Quand on s'abandonne à quelqu'un, on lui dit, désormais, tu peux faire de moi ce que tu veux. Quand on le dit au Seigneur, eh bien, on découvre sa volonté. Le Seigneur nous communique sa volonté. Il nous fait connaître ses secrets. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il nous fait connaître ses projets. Lorsqu'on s'offre au Seigneur, il nous fait connaître sa volonté. Être une offrande pour le Seigneur, c'est le fait de mettre à disposition son temps. Mon temps n'est plus mon temps, c'est le temps du Seigneur. Je ne dispose plus de mon temps comme je veux. Il y en a peut-être avant d'être chrétien. Ce texte dit, frères et sœurs chrétiens. Donc l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Donc, qu'on soit bien d'accord. Frères et sœurs chrétiens, la Bible dit que c'est à ceux-là qui s'adressent. Dieu est plein de bonté pour nous, c'est vrai. Alors, je vous demande, offrez-lui votre personne. Offrir sa personne, c'est offrir son temps. Peut-être que tu avais tout le temps, lorsque tu rentrais du travail, tu te mettais directement, systématiquement devant la PlayStation, parce qu'il y a de grands enfants. Hein? Il y en a aussi, c'est dès qu'il rentre du travail, ben, il faudrait qu'il voit, il regarde, là, il met la télé, il faut qu'il ait les résultats du match de foot. Tous les résultats. Je n'ai pas eu le temps dans la journée, il faut que je suive les résultats. Il y en a parfois, c'est la série, hein, leur série préférée.
Vous savez, les séries, comme son nom l'indique, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Vous allez sauter un, deux, trois épisodes. Quand vous allez regarder le sixième, le septième, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. Et il y en a qui sont scotchés devant la télé pendant des heures parce qu'il ne faut pas qu'elle rate un épisode. Lorsque vous décomposez le mot télécommande, c'est la télé qui commande. Simplement. Oui, oui. C'est la télé qui commande. Lorsque vous êtes devant la télévision, vous vous asseyez pendant 30 minutes, c'est la télé qui commande. Vous allez faire l'expérience. Pour ceux qui mangent à table et ils sont en train de regarder un film ou une série, vous allez vous rendre compte que vous ne communiquez pas. Vous êtes autour de la télé. C'est elle qui commande. Et vous êtes concentré sur le film, sur la série, peut-être sur le match de foot, peu importe. Donc la télé commande. C'est elle qui influence l'atmosphère du moment-là. Hein, les 30 minutes que vous avez devant elle, c'est elle qui gère. Et il y en a qui ont besoin parfois de passer du temps dans la présence du Seigneur. Vous êtes face à des difficultés. La Bible dit quand quelqu'un est dans le malheur, qu'il prie. Quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, tu es dans la joie, le Seigneur t'a béni durant toute la journée, ne te mets pas devant la télévision. La Bible dit quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Adore Dieu. Adore le Seigneur. Ne te dis pas, oh, ma journée a été tellement merveilleuse, je vais boucler ça avec un film. Non. C'est comme si tu venais renverser tout ce que le Seigneur a fait. Parce que pendant que vous êtes en train de suivre, vous savez, quand vous êtes en train de regarder la télévision, vous êtes en train de solliciter votre âme. Et vous êtes en train de lui communiquer des informations dont elle n'a pas besoin. Il y en a par exemple qui vont regarder des films d'horreur et qui vont faire des cauchemars par la suite parce que vous avez donné accès à une information, vous avez donné une information à votre âme, vous avez communiqué une information dont elle n'avait pas besoin. Ce qui fait qu'elle enregistre, l'âme est comme un disque dur, vous savez, vous allez passer des années, il y a des choses, vous vous souvenez, vous étiez tout petit, pourquoi? Parce que l'âme est comme un disque dur. Vous communiquez une info, elle enregistre. Et à un moment donné, elle vous la renvoie. Elle restitue cette information. Et c'est pareil, vous allez regarder un film, vous allez enregistrer des images, vous allez enregistrer des paroles. Il y a des enfants aujourd'hui qui construisent leur identité avec la télévision. Parce que la maman n'a pas le temps de s'en occuper. Alors lorsqu'elle est à la cuisine, elle se dit, bon, pour qu'elle ne m'embête pas, je vais la mettre devant son dessin animé préféré. Sauf que c'est la télé qui commande. Retenez ça, c'est la télévision qui commande. Lorsqu'on est devant la télé, c'est la télé qui commande. Et l'enfant va emmagasiner des infos. Emmagasiner des infos. Nous, on a nos enfants qui reviennent de vacances. Là, ils étaient chez papy et mamie, André, Larue et Chantal. Donc, on est en train de faire le point. On est en train de les écouter, ce qui s'est passé, les vacances et tout. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour faire le point. Parce que chez papy et mamie, la vie est souvent belle. Et ils reviennent parfois avec plein de doléances. Non, 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 on va se poser. Gloire à Dieu pour papy et mamie. On va faire le point. Et c'est pareil, vous allez avoir des enfants qui vont aller parfois dormir chez des amis. Ce sont des choses que moi, en tant que maman, je n'encourage pas. Ils sont chrétiens, les familles chrétiennes, oui. Vous savez qu'il y a des parents qui sont chrétiens. Je ne vous encourage pas à envoyer vos enfants dormir chez des amis païens. Ils ne vont pas encourager vos enfants à prier. S'il y a une adolescente ou un ado qui passe tout son temps à jouer, il va faire pareil. Il n'est pas chez lui, alors il doit suivre la cadence de ses hôtes. Mais il y en a, ils se disent, mais non, c'est juste une soirée. Les soirées pyjama. Vous savez ce qui se passe dans les soirées pyjama? Soirée pyjama? Et vous allez vivre des conflits dans la famille, pourquoi? Parce que vous avez cédé l'éducation de vos enfants. La télé éduque, l'école éduque, les copains éduquent, le téléphone aussi éduque, Internet sur les portables des enfants. Ah oui, il faut mettre le contrôle parental. Et là, ils se disent, mais non, on n'a pas besoin de ça, il faut apprendre à faire confiance. Oui, il y a des degrés, il y a des niveaux dans la confiance. Il y a des niveaux dans la confiance et il faut tester les enfants. Il faut tester les enfants. Ne vous dites pas, bon, il est au collège, donc il a besoin forcément d'un portable et tout, on va lui donner un smartphone. Et parfois avec un forfait internet format XXL. Nous, on a vu des parents, des gens que l'on côtoie, des gens à qui on parle du Seigneur, leurs enfants ont un forfait internet que eux, ils n'ont pas.
Mais parce que non, tu sais, il y a des difficultés dans la famille, donc c'est une façon de combler un peu l'enfant. Mais non. Vous savez ce qui se passe sur Internet? Même vous-même, en tant qu'adulte, vous faites le tri. Mais là, vous laissez on va dire, le monde ouvert à la portée de votre enfant. Sans faire de tri. Sans faire de tri. Vous savez, c'est le diable qui a inventé ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Les ados ne sont pas obligés de faire une crise. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligé. La crise d'adolescence, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, dès l'instant où vous êtes un parent chrétien, vous devez prier pour vos enfants. Vous devez enseigner vos enfants selon la parole de Dieu. Moi, à chaque fois que je dois confronter mon fils à une situation, c'est toujours avec la parole de Dieu. Je ne viens pas avec un bâton et je lui dis, bon, écoute, tu as fait ça aujourd'hui, c'est fini. Non, non, non. Toujours, je le mets face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible pense de ce que tu as fait? Demain, il va peut-être recommencer, mais ce sera toujours face à la parole de Dieu qu'il faudra le mettre. Et il y en a aujourd'hui qui se disent, non, mais tu sais, c'est normal. Je parlais avec des mamans, là, il y a quelques jours, et il y a une particulièrement qui a des problèmes avec sa fille, et, elle est en train de partager le sujet de prière. Il faudrait vraiment que vous priez pour moi, parce que avec ma fille, c'est compliqué, elle a 13 ans, et ça ne va pas trop. Et la sœur à côté qui dit, mais c'est un peu normal, c'est l'âge. Hein. Quoi l'âge? La Bible a dit qu'à 13 ans, quelqu'un doit se rebeller contre ses parents. C'est écrit où dans la parole de Dieu? À 13 ans, elle doit se rebeller. Elle a le droit parce que c'est l'âge. Au nom de l'âge, l'âge de quoi? Sur la boîte aux lettres, c'est votre nom qui est écrit, mais c'est elle qui gère la maison. Et ça, c'est parce que, à un moment donné, les parents n'ont pas compris leur autorité en Christ. Ça n'a rien à voir avec la domination. Parce qu'il y a des parents qui sont des parents fouettards aussi. Ça n'a rien à voir. Notre autorité est en Christ Jésus. L'autorité ne se réclame pas. Vous n'allez pas venir devant votre fils et puis dire, écoute, je suis ton père. Dès l'instant où vous dites que vous êtes le père, c'est que vous avez déjà perdu votre autorité. Non, parce qu'on reconnaît un papa. On n'envoie pas un enfant à l'école pour apprendre à dire papa, maman. Il reconnaît. Donc dès l'instant, toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez à dire, je suis quand même ta mère. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est important, lorsqu'on s'offre au Seigneur, on offre aussi nos enfants au Seigneur. La Bible nous enseigne que Job se présentait devant le Seigneur et il venait dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de mes enfants. Souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Dans cette alliance, il y a mes enfants. Et c'est important qu'en tant que parents, vous preniez le temps de prier pour vos enfants. En couple, priez pour les enfants. Il y a des couples aujourd'hui qui ne prient jamais ensemble. Ils sont assis ensemble à l'église. Mais à la maison, non. Il y a des couples qui ne prient jamais ensemble. Priez ensemble pour vos enfants. Bénissez vos enfants. Déclarez la grâce de Dieu. Déclarez la grâce de Dieu. Prenez vos enfants et dites-leur que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Quand j'ai commencé à l'apprendre à mon fils, à chaque fois, il ne répondait pas. Je dis, non, toi aussi tu dis que le Seigneur te bénisse, maman. Oui, oui. C'est ça, enseigner l'enfant. La Bible dit que l'enfant laisse voir déjà. Par ça conduit ce qu'il sera demain. C'est maintenant qu'il faut semer dans leur vie. C'est maintenant qu'il faut donner la parole. C'est maintenant. Et la Bible nous dit, il s'adresse aux frères et sœurs chrétiens. Offrez. Dieu est un Dieu bon. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est bien. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre maison. Offrez-lui vos enfants. Offrez-lui vos biens. Lorsque le David était en train de chercher un terrain pour pouvoir offrir au Seigneur un sacrifice pour que le Seigneur pardonne le peuple, David se présente et il dit à Ornan, dans l'air d'Ornan, et il dit que je ne peux pas prendre ces terres. Ce n'est pas possible que je prenne ce terrain au nom de ma royauté, que je suis le roi et tout, et donc je n'ai pas besoin d'acheter. Je ne peux pas offrir au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me présenter devant Dieu et dire que je t'offre quelque chose qui m'a été offert gratuitement. Non, Seigneur. Il dit, je vais acheter ce terrain. Je vais l'acheter et venir offrir au Seigneur le sacrifice. Et dans 2 Chroniques, 1 Chronique au chapitre 29, au verset 14, la Bible dit, car qui suis-je et qui est mon peuple
pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il n'y a rien qu'on a inventé, Seigneur. Tout ce que j'ai me vient de toi. C'est pourquoi c'est normal que je t'offre mon temps, c'est normal que je t'offre ma famille, c'est normal que je mette à disposition ma voiture pour ton œuvre, parce que tout ce que j'ai me vient de toi. Même le salaire que j'ai me vient de toi. Tout ce que j'ai me vient de toi. Aujourd'hui, parfois, certains ont du mal à ouvrir leur maison pour accueillir. La Bible dit qu'il y en a qui ont accueilli des anges, ils ont hébergé des anges. Il y a des gens qui vont passer dans vos maisons, parfois en coup de vent, mais après leur passage, vous allez constater des miracles. Parce que vous avez accueilli des anges. Tout me vient de toi. Ma maison t'appartient, Seigneur. Alors prends. Et la Bible déclare que nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis en lui. Et même dans notre façon de nous offrir au Seigneur, c'est-à-dire qu'on offre, on partage ce qui est parfois intime. Le fait de dire que c'est mon frère, ou appeler, comme la Bible dit, les femmes qui sont plus âgées, les considérer comme des mamans. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, le Seigneur a dû faire un travail dans mon cœur parce que je ne vous considérais pas comme ma maman. Le Seigneur m'a dit, c'est ta maman. Et je disais non, c'est parce que j'avais l'impression de partager le privilège qui était à ma maman. À un moment donné, le Seigneur nous sort de notre confort. Il nous sort de ce qui est à nous et il dit qu'il faut qu'on partage. Le frère qui n'était pas ton frère à l'époque, il devient ton frère à cause du sacrifice de Jésus. Et lorsqu'on est frère et sœur, on ne vend pas son frère, on ne vend pas sa sœur. Parfois, on entend parler certains qui sont en train de détruire par leurs paroles, détruire un frère, détruire une sœur. La Bible nous enseigne, lorsqu'on a quelque chose contre quelqu'un, il faudrait qu'on aille voir la personne, qu'on parle avec la personne. On n'a pas besoin de raconter, de murmurer sur le dos de la personne. On ne sait pas parfois se réjouir avec les autres. On ne sait pas ce qui est important pour l'autre. Et on pose parfois des actes qui viennent pour blesser. Je vois souvent lorsqu'on célèbre des mariages dans l'église, vous comptez parfois le nombre de personnes qu'il y a dans l'église et vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans les mariages. Et quand vous écoutez les raisons des gens, vous vous dites, c'est pas ça la famille. C'est pas ça la famille. Jésus a fait de nous une famille. Une famille, c'est sacré. Je fais des sacrifices pour la famille. Mais si j'ai quelque chose contre mon frère, je le lui dis. Je le lui dis. Mais je ne passe pas mon temps à murmurer. Et quand je le vois, je lui fais des bisous, etc. Gloire à Dieu. Non, je le lui dis. C'est ça, être une offrande. Nous donnons au Seigneur qui nous sommes. La Bible dit, donnez de votre personne et aussi votre vie. Et parfois, on a plus de mal à donner de notre personne. C'est difficile de donner de sa personne, de sortir de ses traditions. Et il y en a parfois qui ont l'impression que certains chapitres de la Bible ont été écrits dans certaines nations. C'est juste que non. Si lui, il agit comme ça, c'est parce qu'il est de l'Équateur. Donc, ça doit être en Équateur qu'on fait comme ça. Et si l'autre, il fait comme ça, c'est parce qu'il est du Congo, lui. C'est au Congo qu'on fait comme ça. L'autre, c'est parce qu'il vient des îles. Non. La Bible parle de tous les peuples, mais réunis au nom du Seigneur Jésus. Toutes les races. Il n'y a pas une Bible en fonction des régions, quoi. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est unique en son genre. Il n'y a pas une parole pour les blancs, pour les noirs, les chocolats, tout ce que vous voulez. La parole de Dieu est unique parce que la parole, c'est Jésus. J'aimerais terminer avec ce dernier point. Un adorateur, c'est celui qui bâtit un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Un autel, c'était cet espace qu'on dédie au Seigneur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les sacrificateurs, ils venaient et sur l'autel, ils sacrifiaient des animaux. Et nous sommes devenus cet autel pour le Seigneur. Nous sommes l'autel et nous sommes le sacrifice désormais. Nous sommes cette habitation de Dieu en esprit. Dieu habite désormais en nous. Il ne va plus habiter dans des maisons, comme la Bible dit, faites de mains d'hommes, mais il a décidé désormais d'être en nous. Et c'était ça son objectif. Vivre en nous. Faire un avec nous.
Et la Bible nous montre bien dans la vie de Jésus comment est-ce qu'il cultivait ses temps avec le Seigneur. Il bâtissait un autel d'adoration au Seigneur. La Bible nous enseigne que Jésus chantait des cantiques lorsqu'il était avec ses disciples. La Bible nous enseigne aussi qu'il se retirait et il priait. Dans Luc 22, au verset 39, la Bible dit « Après être sorti de là, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La Bible dit que c'était sa coutume, c'était dans ses traditions. Tout le temps, il se retirait pour prier. Il se retirait sur le mont des Oliviers pour prier, pour cultiver cette relation avec le Seigneur. Et la Bible dit que c'était après être sorti de son programme de la journée. Aujourd'hui, vous êtes des témoins, vous faites des choses durant toute la journée, vous travaillez, votre travail est un témoignage. Vous travaillez peut-être dans des heures compliquées. Lorsque vous rentrez chez vous, la Bible nous encourage que lorsque Jésus terminait tout son programme, il se retirait. C'est aussi le symbole de ceux qui sont engagés dans le service. Il y en a qui sont à fond dans le service, mais qui n'ont pas cette intimité avec le Seigneur. Et ils vont tomber dans l'activisme. Ils sont tout le temps assidus, c'est bien. Tout le temps à l'heure, c'est bien ça. Mais lorsque vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, vous ne pouvez pas résister face à la tentation. Jésus leur dit ça, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et lorsqu'on lit dans Marc au chapitre 1, la Bible nous enseigne que très tôt le matin, Jésus se retirait. Très tôt, ses disciples le cherchaient. Très tôt le matin, il se retirait pour prier. Et quand il sortait de là, il dit à ses disciples, « Allons dans les bourgades voisines. » Pourquoi? Parce que dans ces temps d'intimité, ces moments d'adoration, le Seigneur te communique le programme qu'il a pour toi pour la journée. Parfois, le Seigneur va te dire que tu vas rencontrer même une personne. Prie pour cette personne. Le Seigneur va te mettre à cœur de prier pour une personne, pour une situation, peut-être pour ta famille, peut-être de façon particulière. Et l'autel, c'est aussi le fait dans sa maison d'avoir des rencontres dans la famille. Vous êtes chrétien aujourd'hui, que vos enfants viennent à l'église ou pas. Vous êtes ensemble en famille, c'est important d'avoir un temps de prière ensemble à la maison. Et pour revenir sur l'autorité parentale, vous qui avez des enfants qui n'ont pas la majorité et qui vivent sous votre toit, c'est important que vous les ameniez à l'église. Vous devez les amener à l'église. C'est vous qui devez enseigner à l'enfant. Vous devez les amener à l'église et cultiver ces moments d'intimité avec le Seigneur en famille, au moins une fois par semaine. Priez ensemble. Lors du repas, rendre grâce au Seigneur ensemble. C'est ça, cultiver un autel, bâtir au Seigneur un autel d'adoration. Dans ma vie personnelle, ça commence dans ma vie personnelle. Je ne peux pas transmettre aux autres ce que je n'ai pas. Et je ne peux pas mener les autres là où moi-même je ne suis pas arrivé. Pour enseigner les enfants, il faudrait que moi-même je sois quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous faire enseigner par les enfants de l'église des enfants. Et ils sont calés, je vous assure. Ah oui, ils sont bien enseignés. Il y a des références parfois que vous ne maîtrisez même pas. Ils sont très bien enseignés dans l'église des enfants. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent un peu ébahis en vous posant des questions sur le cours du dimanche matin que vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Donc, c'est vous qui devez pousser vos enfants à aller plus loin avec le Seigneur. Et en bâtissant cet autel d'adoration, on médite la parole de Dieu ensemble. On se pose des questions, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui? Et on prie ensemble, on rend grâce au Seigneur. À la porte de la semaine, dimanche soir ou lundi soir, on rend grâce à Dieu pour la semaine. On la recommande au Seigneur. Et la Bible dit que pour Jésus, c'était une coutume. Que ça devienne une tradition chez nous, une coutume. Ce sont de bonnes coutumes, ça. On entretient notre relation avec le Seigneur. La Bible nous enseigne que nous devons demeurer en lui. On ne peut pas demeurer en lui si on n'est pas un adorateur. On ne peut pas demeurer en lui si on ne médite pas la parole de Dieu. Et pour bâtir, on prend du temps. Pour bâtir quelque chose, ben, ça prend du temps. Donc tous les jours, il faut poser une pierre. Chaque semaine, il faut rajouter une autre pierre. Et le Seigneur veut que nous soyons des adorateurs authentiques. Des hommes et des femmes qui bâtissent un autel dans leur maison, sur leur lieu de travail. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, votre entreprise est un autel. Consacrez votre entreprise au Seigneur. C'est un autel. Moi, je dis au Seigneur que tous les clients qui passent dans mon entreprise doivent entendre parler du Seigneur. Tous les stagiaires qui passent dans mon entreprise, ils entendent parler du Seigneur. Il y a une année, j'avais une stagiaire qui devait faire une enquête sur le terrain. Et je lui avais demandé d'aller rencontrer certains prestataires. Et elle est allée dans une entreprise
Et le monsieur devait lui parler de l'élaboration des factures, etc. Et lorsqu'elle revient, elle me fait le compte-rendu de son enquête. Et on était arrivé au point où ça nécessitait qu'elle rallonge son stage. Et lorsque elle devait revoir la fac lui dit, normalement, tu ne dois pas le faire. Et il y avait on est obligé de parler de gratification. Et son responsable à la fac lui dit, écoute, demande à ta responsable de stage de signer un papier. En tout cas, il fallait faire une magouille dans le truc. Et la stagiaire n'a pas pris le temps de revenir me voir pour me poser la question de savoir ce que je pensais par rapport à ce que le responsable de la formation avait dit. Elle a répondu à son responsable de formation, « c'est pas le genre de la dame. » J'étais un témoin vivant pour elle. Ce n'était pas mon genre. Et elle le savait. Elle le savait. Et le Seigneur recherche des personnes comme Nathanaël. Le Seigneur dit, « voici un homme en qui il n'y a point de fraude. » De la même manière que nous rendons témoignage de Jésus, Jésus rend témoignage de nous, bien-aimés. Lorsque vous trouvez grâce aux yeux de certaines personnes, c'est parce que le Seigneur rend témoignage de vous dans leur cœur. Ils ont la certitude qu'il faut qu'ils vous aident. Ils ont la certitude qu'il faut qu'ils posent un acte en votre faveur. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage de vous. Quel genre d'adorateur tu veux être pour le Seigneur ce matin? Tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas être un témoin efficace si tu ne connais pas le Dieu que tu dois les présenter. Et c'est dans l'adoration que nous découvrons notre Dieu. Alléluia. C'est dans l'adoration que nous découvrons Dieu. Si j'expérimente la guérison aujourd'hui, je vais adorer Dieu comme celui qui guérit. Tu es grand Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si le Seigneur me sort du deuil, je réalise vraiment qu'il est le consolateur. Et désormais, je peux le déclarer. Il y a des gens qui perdent un parent et qui n'arrivent plus, un père, et qui n'arrivent plus à appeler Dieu papa. Pourquoi? Parce que la relation de père a été brisée au-dedans d'eux. Et lorsque le Seigneur restaure, lorsqu'il guérit, tu te rends compte que tu peux dire, Seigneur, tu es mon père, parce que tu as été guéri. Et tu connais Dieu comme le Père céleste. Et tu peux rendre témoignage de Dieu comme étant un père. Tu es capable de parler à des orphelins et leur dire qu'il est le Père céleste. Il est le Père des orphelins. Si tu n'as plus de père aujourd'hui sur la terre, mais Dieu est un père pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été au contact, dans l'intimité. Dans l'intimité. Et c'est ça l'adoration. Et Jésus le dit à la femme samaritaine, c'est maintenant. C'est le moment où Dieu donne son esprit. Il nous donne son esprit. Il nous a donné son esprit. Et ce matin, pour être un vrai adorateur, il faudrait qu'on réalise la présence du Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas bâtir un hôtel sans le Saint-Esprit. On ne peut pas communier avec Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas s'offrir entièrement si le Saint-Esprit ne prend pas la place dedans de nous. On ne peut pas être un vrai adorateur si on n'est pas né de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Il y en a peut-être qui ne sont pas nés de nouveau ce matin, qui n'ont pas fait cette prière en disant au Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que tu es venu mourir pour moi. Et ce matin, j'ai entendu ta parole et je veux naître de nouveau. Je veux être appelé enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église. Ça n'a rien à voir avec le fait de servir dans une église. Mais c'est une relation avec Dieu. Où je dis, Jésus, viens dans ma vie désormais. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce matin. Et si tu es là ce matin, tu veux faire cette prière, tu peux simplement lever ta main pour dire au Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte dans mon cœur. Je veux venir désormais, je veux être appelé enfant de Dieu. Alors, lève ta main simplement là où tu es, afin que je fasse cette prière avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'aimerais simplement que tu répètes cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai compris que tu es venu mourir pour moi. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités.
pour la racine du péché en moi. Et je viens devant toi afin que tu laves mon cœur avec le sang de la croix, ton sang qui a coulé pour moi. La Bible m'enseigne ce matin que tu t'es offert une fois et ton sacrifice me donne le droit d'être enfant de Dieu ce matin. Alors je veux faire partie de la famille de Dieu. Je t'accepte ce matin comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et désormais, je suis enfant de Dieu. Désormais, je fais partie de la famille de Dieu. Alors prends la place dans ma vie. Sois le maître dans ma vie. Sois le Seigneur dans ma vie. Sois le chef dans ma vie. Et désormais, je veux marcher avec toi. Je veux apprendre à marcher avec toi. Je veux être conduit par toi tous les jours de ma vie. Que ton nom soit béni. Merci Père pour ta présence. Merci pour la grâce que tu me donnes ce matin de faire partie de la famille de Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Oui, élevons nos voix selon les paroles que le Seigneur nous a données ce matin. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, lui qui a fait de nous des adorateurs. Disons, Seigneur, nous voulons être des adorateurs authentiques, Seigneur. Sa présence en nous, c'est le ciel. Le Saint-Esprit en nous, c'est le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons plus vivre comme des personnes ordinaires. Le royaume de Dieu est en nous désormais. Alors élève ta voix ce matin et dis au Seigneur, je veux être cet adorateur authentique. Je veux être cet adorateur authentique. Fais de moi cet adorateur authentique. Je suis né de nouveau aujourd'hui, Seigneur, je veux m'offrir maintenant entièrement à toi. Oui, élève ta voix ce matin. Élève ta voix et adore Dieu ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Pour t'incomparable valeur sans fin. Non, rien dans ce monde ne satisfait. J'aimerais demander à tous ceux qui sont parents dans cette salle ce matin d'élever leur voix. Que vous puissiez offrir vos enfants au Seigneur ce matin. Présentez vos enfants au Seigneur ce matin. Comme une offrande. Citez leur nom dans la prière ce matin. Élève ta voix et prie pour tes enfants ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre dans nos familles ce matin. Merci parce que tu viens restaurer les relations parents-enfants. Reçois nos enfants, Seigneur, ce matin, comme une offrande, Seigneur. J'aimerais que chacun prenne son offrande qu'il a préparée pour ce matin, sa dîme, son offrande, et nous allons la présenter ensemble au Seigneur.
La Bible déclare qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Lorsque Abraham s'est levé pour sacrifier Isaac, pour lui, ce n'était pas un sacrifice, c'était un acte d'adoration. Il a dit à ses serviteurs, le jeune homme et moi, nous allons monter pour adorer. Offrir Isaac, pour lui, c'était un acte d'adoration. Que ton offrande ce matin soit un acte d'adoration. Et on ne vient pas devant le Seigneur sans prendre garde, sans réaliser ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix maintenant, que tu présentes ta dîme au Seigneur ce matin, que tu présentes ton offrande et que l'on puisse dire comme David, tout ce que nous offrons au Seigneur nous vient de lui. Tout nous vient de toi, Seigneur. Alors rends grâce au Seigneur ce matin. Quelles sont les actions de grâce qui montent dans ton cœur à travers cette offrande, à travers cette dîme? Élève ta voix et bénis le Seigneur ce matin. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Oui, élevons ensemble nos voix. Élevons nos voix et présentons notre offrande et notre dîme au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces dîmes, pour ces offrandes. Merci car tout nous vient de toi, Seigneur. Nous venons te les apporter ce matin comme un acte d'adoration, Seigneur. Reçois-les. Peut-être pour un travail, peut-être pour un sujet de prière par rapport au couple qui a été exaucé, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un contrat de travail, Seigneur. Peu importe, Seigneur, c'est peut-être une bourse, Seigneur. Peu importe, notre reconnaissance te revient ce matin. Notre reconnaissance est pour toi ce matin. Alors nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous sommes heureux d'apporter, Seigneur, dans ta maison. D'apporter, Seigneur, cette offrande, cette dîme pour toi. Car elle t'appartient, Seigneur. Alors reçois nos offrandes, nos dîmes ce matin avec joie. Nous voulons, Seigneur, te célébrer. Car tu mérites nos célébrations, tu mérites notre adoration. Nous voulons élever le nom de Jésus à travers ces dîmes et ces offrandes. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.